Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu as pardonné les péchés à plusieurs personnes durant ta mission, et même ceux qui t'ont crucifié. Aide-moi à devenir comme toi et à pardonner librement à ceux qui m'ont fait du mal, car je sais que, souvent, eux aussi ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai apporté des roses. Ce matin, nous avons écouté la chanson Le vent, les chants du chanteur franco-albertain Paul Cournoyer. Vous pouvez réécouter toutes les chansons sur la playlist Spotify CCSG Franco. Le vent, les chants. Ce jeudi 31 mars sera la dernière journée du mois de la francophonie. Le français est une langue qui unit près de 300 millions de personnes à travers le monde et c'est une langue qui nous unit ici à Samuel Genet. Jeudi, ce sera une journée thème multiculturelle pour terminer le mois de la francophonie en célébrant la diversité ici à l'école. Ainsi, vous êtes invité à porter des vêtements traditionnels au cours de la journée. Si vous ne portez pas de vêtements traditionnels, le port de l'uniforme sera obligatoire. Si vous n'avez pas de vêtements traditionnels, c'est correct parce que vous serez invité durant la journée du jeudi à participer à l'activité de création de macarons pendant l'heure du dîner et partager votre culture en portant fièrement votre macaron tout au long de la journée. Voici. Ok, et voilà. Et voilà dans le lavabo. Voilà. Ça sent pas mauvais ça. Sylvie. Oui, Sylvie. Oui. Salut, Sylvie. Hey, Jean-François, ça sent bien le gâteau. Je prie pour toi. Eh bien, écoute, ta prière, elle est efficace parce que là, j'ai l'impression que je vais réussir. J'ai été persévérant. Fantastique. Est-ce que ça commence à sentir bon? Écoute, j'ai mis les ingrédients spéciaux là, qu'on a choisis tous les deux tantôt. Là, ouais. Mm-hmm. Alors oui, ça sent... Le chocolat, tu dois sentir ça. Le chocolat, là, ça... Ça, c'est l'ingrédient qui va apporter de la joie. Voilà. Écoute... C'est important de faire confiance dans la vie. Hein. Je t'ai fait confiance, Sylvie, et tu m'as vraiment aidé, accompagné dans cette fameuse recette. Tu vas faire de moi un pâtissier. Hein. Tu m'encourages. Hein. Ta prière m'a aidé. Merci de prier pour moi. Wow! Ben, ça me fait plaisir. Et puis, en plus, une recette végétalienne, hein? Une première pour toi. Une première pour moi. On veut prendre soin de la terre, nous. Oui, oui. Écoute, on parle de prière. Tu sais, Jésus habite nos cœurs. Hein? Puis des fois, moi, quand je prie, je peux juste fermer les yeux et je vois Jésus qui me regarde avec ses yeux pleins d'amour et je le fais en silence. Ça, c'est une prière aussi, Sylvie, hein? Tu crois pas? Certainement, certainement. On peut prier en cuisinant, en faisant... La preuve, oui. Ça s'en vient, ton affaire. Ça s'en vient. On peut prier à tout moment. En faisant du sport, en faisant des études, en contemplant un beau coucher de soleil, en cuisinant, voilà. Tu sais, moi, je continue de prier pour toi, pour que ton gâteau soit une réussite. Et n'oublie pas d'allumer ton four. Oh, mon four! Oui, à combien? À 350 degrés, c'est ça? Je crois que c'est ça. 175 Celsius. Voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ben merci, Sylvie. Hein. J'avais oublié... Ben oui, le gâteau, il faut le mettre au four. Hein. Alors, je vais compléter tout ça. Eh bien, j'ai bien hâte de voir ça. Ben écoute, merci pour ta prière à nouveau, Sylvie. C'est précieux pour moi. Et prier Jésus, c'est croire qu'il est vivant en nous.
prier quelqu'un, c'est parce qu'il nous écoute, il nous entend. Et Jésus, il est vivant dans nos cœurs. Mère Bruyère, je sais où tu prenais ta force pour avancer malgré tout. La prière était au cœur de ta journée. Avec toi, je veux prier Jésus tout au long de ce carême, jusqu'au matin de Pâques et au-delà de Pâques aussi, bien sûr. Et toi, cette semaine, tout au long de ce carême, est-ce que tu vas trouver des moments pour prier Jésus, pour lui parler dans ton cœur? Tu n'es pas seul, bien sûr. L'Esprit de Jésus t'accompagne dans ta prière. Nous continuons la collecte de denrées pour le village de Rincon Inlet. Voici les denrées de cette semaine. Des sacs de sucre granulés, des conserves de cocktails de fruits, des boîtes de sachets de chocolat chaud. Les denrées dont les boîtes sont ouvertes ne pourront malheureusement pas être acceptées. Les denrées des semaines précédentes sont toujours acceptées. Toutes les denrées amassées seront envoyées au village de Rincon Inlet dans les prochains mois. Puisque les denrées sont acheminées par avion et que la livraison sont très rares dans cette région du pays, les denrées prendront près de 3 mois pour arriver à destination. Il est donc important de vérifier les dates de préemption. C'est ainsi le moment d'accumuler des points pour les grands jeux. Chaque denrée apportée ajoutera 5 points pour votre niveau. Merci de votre générosité et bonne journée!